j'ai une histoire. Oh. Yvette est en vacances à la Baule. Sur la plage, elle a repéré un beau maître nageur et elle a décidé de prendre une leçon de natation. Alors tout se passe bien et quand le cours touche à sa fin, Yvette demande au gars, « Dites, je ne pourrais pas vous prendre une heure de plus ?»« Oh ben écoutez, mademoiselle, oui, pas de problème. Mais tout de même, une question bête. Si vous retirez votre doigt, je coule. Oh. » C'est une histoire de clochard, en fait. Ça se passe sous le pont de l'Alma, à Paris. Il y a deux clochards qui sont assis comme ça, avec un petit litron de rouge, qui discutent, qui bavardent. Ils sont sans arrêt en train de se gratter parce qu'ils ont pris les vieux vêtements de Castelli. Donc forcément, c'est plein de mythes, de choses comme ça, de Morbac et tout ça. Et puis ils se regardent et ils se disent, écoute, ça serait bien si pour la première fois on pouvait passer une fois 5 minutes à se parler sans se gratter. Pari tenu, pari tenu. Il dit, non, tu m'as jamais parlé de tes parents, tu m'as jamais dit ce que faisait ton père. Et ben, mon père, il était militaire dans l'armée, il avait un galon ici, il avait un galon là, il avait un autre galon là, et puis un galon là, tu vois. Ah d'accord, et toi ton père? Ben moi mon père, il était pas militaire, il avait pas de galon là. Il n'avait pas de galon ici, il n'avait pas de galon là non plus, puis là non plus. Mon père, c'est un intellectuel, tu vois. Mais, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a rencontré maman. Un jour, moi aussi, sur le bord de la Seine, j'ai vu un gars qui était en train de se noyer. J'étais loin, je ne peux pas arriver, mais il y avait un gars qui se noyait. Au secours! Au secours! Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Au secours, je sais pas nager. Le mec lui disait, ben moi en plus, je sais pas nager, mais je fais chier personne.